Donc tout d'abord, tes services, incroyables aujourd'hui. Est-ce que ça ne serait pas un de tes records? C'est possible, en 3 sets ça va être un de mes records. Écoute, ça s'explique avec des superbes sensations, tant que ça marche, on se plaint pas, on lance la balle, on tape dedans et bon, ouais, super. Et puis en fait, faut aussi donner un coup de chapeau à notre bloc qui a été hyper efficace, bloc défense, le service marche pas tout seul, on a eu vraiment une belle efficacité à ce niveau-là et bravo à toute l'équipe, quoi. Comment peux-tu expliquer cette large victoire après la défaite de Paris qui a été difficile pour vous? Envie de beaucoup mieux faire. Et voilà, dans tous les domaines en plus, que ce soit service, défense, contre-attaque, réception, enfin, tout à citer parce qu'il y avait beaucoup de choses, c'était un match décousu. Donc voilà, on a trouvé nos repères dans notre salle avec un public toujours présent qui nous fait tant de bien. Et puis bon, Ajaccio a joué il y a 3 jours avec de la fatigue, c'était un match pour nous et c'est exactement ce qu'il nous fallait pour qu'on se remette bien. Vous êtes à nouveau à égalité avec Paris en tête du classement, est-ce que ce sont vos principaux adversaires? Eh bien c'est l'équipe contre qui on a perdu 2 fois, en fait on vient de le rappeler, donc ça m'embête un peu. C'est une très belle équipe, je pense que bien sûr qu'il va poser des problèmes jusqu'à la fin, qu'on rencontrera au play-off. J'espère pour les battre cette fois. Et effectivement, Paris fait une belle saison. Bravo. Ouais. Donc, concernant la Ligue des Champions qui arrive déjà mardi, et comment allez-vous préparer le match en si peu de temps? Eh bien, comme les autres matchs, j'espère. Parce qu'on a 2 victoires sur 2 matchs. Il faut pas changer les choses. On n'est pas favori. Il faut toujours garder ce statut d'outsider qui nous va bien. Et voilà, donner le maximum, profiter de notre public toujours encore et j'espère encore voir le résultat à la fin et être surpris pour une victoire pour nous, j'espère. Bon, merci beaucoup et bon match encore.